très bien, Marie-Lise. Alors, je suis très heureux de t'accueillir ici à Lyon. Merci. Tu es de passage. Oui. Mais avant d'aller plus au fait, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu finalement? C'est une bien grande question. Je pourrais dire, je ne sais pas qui je suis. Disons que j'ai une conscience de moi-même, mais qui est toujours en évolution. Donc, je suis quelqu'un, je m'appelle Marie-Lise Labonté, et je suis quelqu'un qui a connu des épreuves importantes dans ma vie, dans mon chemin d'incarnation, qui m'ont amené à un grand changement. Plusieurs fois, j'ai eu l'impression d'avoir des vies différentes dans la même vie. Et ça a toujours été créé par des événements qui se sont soit manifestés dans mon corps par la maladie, une maladie auto-immune que j'ai eue à l'âge de 20 ans, 21 ans, et qui a été pour moi la première épreuve consciente. J'ai eu d'autres épreuves, comme par exemple dans le ventre de ma mère, mais ça m'a pris du temps à découvrir. C'est par les épreuves que j'ai rencontrées dans cette vie, à l'âge adulte, que j'ai pu comprendre qu'il y avait quand même une piste, il y avait quelque chose que j'avais déjà vécu et qui ramenait ces traumatismes en moi. La vie est très bien faite. Alors, donc par le fait même, j'étais à quelque part, ça a l'air drôle de dire ça, mais bénie, entre guillemets, d'avoir été confrontée par la maladie très jeune, ce qui m'a éveillée au niveau de la conscience. Et j'ai décidé de m'en sortir, de m'en guérir, donc on y reviendra. Et puis j'ai changé complètement de vie, je me suis consacrée plus à aider les gens à se guérir, changer de profession, tu vois, vraiment un grand, grand cap à l'âge de 25 ans. Donc, c'est merveilleux qu'à 25 ans, j'ai connu cette forme d'éveil qui m'a amenée dans une conscience complètement différente. Puis, plus tard, j'ai développé aussi un processus qu'on appelle un état de grâce, que j'ai reçu comme un coup sur la tête. Et ça a été aussi une autre forme d'épreuve, parce que moi, j'étais psy qui gérait les processus de guérison, qui accompagnait mes patients. J'étais assez quand même ouverte à l'expérience de l'amour, évidemment, puisque je m'étais guérie, mais je n'étais pas du tout ouverte au processus de channeling ou la médiumnité ou dialoguer avec des plans de conscience supérieure. Alors là, pas du tout. Mais j'ai eu, pendant une conférence, vraiment une descente de la grâce qui fait que, encore une fois, ma vie, après quelques années, c'est complètement transformé. Et je me suis ouverte à un autre plan de conscience que juste le plan de conscience terrestre, à une expérience d'amour inconditionnel qui m'a beaucoup questionnée sur notre capacité à nous, les êtres humains, à nous relier à notre divinité et à communiquer qui nous sommes dans la profondeur. Et donc, j'ai encore une fois changé ma vie, donc deuxième fois. Pour finalement avoir une autre épreuve qui, là, m'a... Waouh! Ça, c'était la perte de mon époux dans des situations très violentes, d'agression. Il s'est fait assassiner, enfin, c'est un homicide involontaire, entre guillemets. Un vol qui a mal tourné, mais ça a été... Alors ça, c'était le truc majeur, dans le sens que j'ai vite compris intérieurement que cette épreuve m'amenait à quitter mes systèmes de croyances, parce que je pensais vivre dans une certaine cohérence, avec tous les enseignements que j'avais reçus de niveaux supérieurs de conscience, des enseignements, enfin, parce que pendant des années, j'ai reçu la voix des anges, avant même que ça soit la mode. Donc, et là, c'est comme si on me disait, pratique.
tu vois. Expérimente. Parce que ce que je rencontrais là, la perte violente d'un être, c'était le premier homme que je pouvais dire que, enfin, j'aimais inconditionnellement. C'est-à-dire, j'avais cessé de mettre des conditions à ma relation avec mon époux. C'était un gros travail. Et là, il part. Donc, est-ce que j'accepte qu'il parte ainsi, qu'il me quitte, entre guillemets? Enfin, on sait bien qu'il n'y a pas de séparation, mais quand même, hein, c'est... Alors, waouh! Donc ça, j'ai pendant un temps, j'ai dit, moi, j'arrête. Je prends un temps. J'ai continué à travailler après cette épreuve, mais j'ai comme cessé de... Je me suis dit, ça y est, je n'ai plus confiance, je n'ai plus de foi. J'ai cessé de vivre la foi comme je la vivais antérieurement. Et je me suis permise d'être dans le vide, de ne plus m'accrocher. Parce que souvent, après une épreuve semblable, on va dire, allez, il faut que tu t'accroches et... Tu vas te rebâtir. Enfin, les gens disent toutes sortes de choses parce qu'ils nous voient descendre dans une forme d'état de mort, mais qui n'est pas une vraie mort, hein, mais qui est comme une mort psychique, qui est d'entrer dans le vide. Il n'y a plus de sens. Je n'avais plus de sens à ma vie et ce fut merveilleux. Ce fut dur, évidemment, parce que vite, il faut trouver un sens et tout ça. Et je me suis dit non. Je vais me laisser vivre le non-sens et peut-être qu'un sens viendra de l'intérieur. Alors, ça a été extraordinaire. C'est un magnifique cadeau en même temps. Oui, exactement. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le point de rupture », publié aux éditions Albin Michel, où au Québec, ça s'appelle « Le choix de vivre », qui raconte un peu ce passage à froid où j'ai attendu que la foi revienne. Et elle est revenue. Un grand voyage, une descente, hein, j'appelle ça la nuit noire de l'âme. Et puis, j'ai retrouvé la lumière, voilà. Donc, Miguel Ruiz parle de comment vivre la mort, finalement. Oui, c'est ça. Oh oui, c'est vraiment une mort, tout en étant vivant, hein, tout en continuant de vivre. Mais en ne forçant pas la vie. Une expérience extraordinaire. Donc, j'en suis ressortie. Ça m'a pris quand même, je dirais... Ouf, j'ai eu des étapes, hein, mais je pourrais dire que en écrivant le livre « Derrière le rideau », que là, je suis entrée à nouveau dans la vie. Quand j'ai raconté finalement mon histoire, mais ça m'a pris 10 ans pour la raconter. Parce qu'elle était trop remplie d'horreur. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire, en soi, c'est un lâcher-prise. Ah, total. Tout. Tout, tout. Mais ça ne s'est pas fait... C'est comme au début, j'essayais de me raccrocher. Dès que j'essayais de me raccrocher, alors j'ai vite compris que je devais lâcher prise. Et Krishnamurti, de lire Krishnamurti m'a beaucoup soutenue. Parce que lui, il parle du vide, hein? Il parle de la vie, la mort, c'est la même chose. Enfin, non, c'est... Et c'est... Oui, voilà. Donc ça, c'est qui je suis, c'est tout... Je suis un chemin de conscience, finalement. Parce que qui je suis, je ne sais pas, hein? Je suis un chemin, voilà. Une âme qui chemine et qui continue d'explorer la vie. Et la mort aussi, hein? Voilà pour répondre à cette question.